Well, come home, puppy. You've been out for quite a while. Your girlfriend was very worried, you know. How did I do what, sweetie? I'm not sure I understand. You look nervous. Why don't you sit on the sofa and take a rest? Not staying? What could you mean? Never mind that, you should rest. It will do you good. Come now, this way. What is it? Well, your tie makes for a good leash, don't you think? Besides, you've never had a problem with it before. Come now, onto the sofa. There you go. Do you want a drink? No? That's all right. Just take a breather. Oh. Looks like I messed up the tie knot. Let me just... What? It's too late to act embarrassed when I swaddle you. Also, you never fail to look cute when you get like that. There you go, looking sharp as always, again. Get off of you, darling. Is what happened yesterday still on your mind? Could we lay this little spat between us to rest? We can work it through, puppy. I know we can. No? Darling, I am going to give you one more chance. I truly hope you will reconsider. Still not budging then? Fine. It's the hard way then. I'm sorry, puppy. You only have yourself to blame. Are you surprised? I know you always liked when I held your wrists above your head, when I played with and teased you. But you never resisted then. So, how is a girl like me holding your wrists above you, pinning them against the sofa, holding you down with my thighs, without budging when you already are thrashing around? That's okay. Get it out of your system, darling. Well, talk after you realize your situation. Is that enough? We have all the time you need, sweetie. Just get it all out. No, sweetie. You are staying where you are. Well. It seems your tongue has lots of energy, even if your muscles don't. I will help you burn through that as well. Look at me, sweetie. Puppy, you know how things went a minute ago. You'd better have a look at me. Alright then. For all the defiance you've shown, it all melts away when I touch your chin. I don't even need to put force into it, and your cute face will obediently follow. Now then, time for my treats. That was delicious.
Looks like you can still form some semblance of sentence. Let's fix that, darling. There. Far too busy painting for priest protest or struggle. Eyes hazy and unfocused, arms limp, right on the edge of slipping into your subspace. Perfectly vulnerable and adorable. You'll make me go crazy. No, I must control myself. I can't traumatize my poor daughter. My eyes? Sweetie, I understand what the current mood is, but your flirting right now is... Oh, my eyes. I see. Do you like them? I suppose they are highlight in this dark room. And if you look closer... Are you scared? You don't need to be, I assure you. Just be good and listen, sweetie. Nod for me, if you understand. Good boy. You like hearing me call you that, right? Now, how about I introduce myself? I'm not the girl you remember, sweetie. With the surprising strength and glowing eyes didn't give it away. The city incense, rituals, chanting, scribbles. It all finally produced results. I was summoned to her utmost surprise. Her jaw was hanging for a minute at least, and she couldn't form a sentence for two. That's right, sweetie. I am a demon. A creature from beyond the veil. Here in answer to the invitation your ex-girlfriend sent into the void. What happened to her? Oh, sweetie. How can you be so precious? After all I have told you, you are concerned about her well-being? I wonder, would you still be so concerned if I told you what she wants me for? Intrigued, are you? I'll tell you, sweetie. I have nothing to hide from you. She wasn't too pleased with how you challenged her authority in the relationship and left her dumbfounded. She demands to make your life a living hell. Your job, your belongings, your family, anything and everything with meaning in your life. She wants me to manipulate, destroy, and pervert it all. She did not, however, know what she was doing in the latest. No preparations, no safety measures, and no wisdom to not to go down the rabbit hole. It was not long before I had her body and her soul. She was wicked through to her core, and I took advantage. Sweetie, I don't mind if you yell for help all you want since no one can hear. But we don't need to have this talk, so unless you stop, I will be forced to grab this handsome chin and make you short of breath all over again.
Will you obey? Nod. Good boy. As for your ex, I have taken her soul to be turned into a lesser demon. One of my servants, to be precise. After all, how could I leave her to be in the world my darling lives in? Why do I call you that if I'm not her? Of course. You're not yet her. When I took her memories as well. And I found you. You, darling. Someone so caring, gentle, thoughtful, and not to mention handsome, cute, and submissive. Just my type. It seems, however, that mortal form cannot handle my being. Hence the glowing eyes, and now I feel another part of me coming to remodel this body. It wouldn't do if you were repulsed by it. So close your eyes for a moment, darling. Good boy. You can open them now. I feel this hold at something special you just wouldn't find here. What do you think? You can touch them later if you want. I really wouldn't mind. I can also serve as love handles for any strenuous activities. When you've been good enough to be on the top, that is. Coming back to the topic, I found myself wanting you, and so here you are. Mine. Tear this into your very being, puppy. You are mine. And I will take such very good care of you. Starting with your cheek. The skin was damaged when you slapped you, wasn't it? Yeah. Good as new. Not a trace remain. Now, back to the lips. You will never need fear betrayal again. You will never want for anything. I will keep you satisfied and content. You will never hurt again. I will make sure of that. This isn't a choice, puppy. This is how things are now. Now, do not oppose me, puppy. And kiss me. Good boy. Your chest feels hot? Good. Don't worry, it will pass. That is my mark. You have acknowledged your submission to me. From now on, at all times, I know where you are, and I am only a step away. And should you encounter any other worldly beings, they will know to stay away. No need to be so jumpy, sweetie. It's just my tail brushing against your thigh. Yes, my tail. Here. Take a look. It's a long and thin, flexible, yet strong. Could easily replace my hand restraining your wrist. See? The end is flat, pointy, and shaped like a heart. You look mesmerized. Is it that astounding? Do you want to feel it?
What if I run it along your cheek, down your pretty neck, then back up and across your chin and over your lips? Those delicious lips. Sorry, sweetie. I just cannot control myself without at least that much from time to time. I know we just kissed, but the mood was too strong not to do so again. There is no need for restraints anymore, right? I can let go of your wrists. Nod. Good boy. Do they hurt? I made sure to control my strengths. Good. I need my puppy healthy and happy from now on. You are always within the safety and comfort of my embrace. You need only call for me. And sometimes, I will pop out to tease and play with you. Now, how about we celebrate the start of this exciting relationship? What do I have in mind? Well, I remember all your likes and dislikes, and especially the things that would drive you up the wall, if not held down. So, I will grab this leash once again, with my tail this time. And you will follow me into the bedroom. Bienvenue à la maison, mon petit chiot. Tu as été absent pendant un bon moment. Ta copine était très inquiète, tu sais. Comment j'ai fait quoi, chérie? Je suis pas sûre de comprendre. Tu as l'air nerveux. Pourquoi ne pas t'asseoir sur le canapé et te reposer? Tu ne restes pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Peu importe. Tu devrais te reposer. Ça te ferait du bien. Viens par ici. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ta cravate fait une bonne laisse, tu ne crois pas? D'ailleurs, tu n'as jamais eu de problème avec ça avant. Allez, viens sur le canapé. Voilà. Tu veux un verre? Non? Ce n'est pas grave. Respire un peu. Oh, on dirait que j'ai raté mon autre cravate. Laisse-moi juste... Quoi? Il est trop tard pour être gêné quand je te chevauche? Même si tu es toujours aussi mignon quand tu es comme ça. Et voilà, tu es toujours aussi élégant. Te lâcher? Chérie, tu penses encore à ce qui s'est passé hier? Pourrions-nous mettre de côté cette petite querelle entre nous? On peut y arriver, chérie. Je le sais. Non? Chérie, je vais te donner une dernière chance. J'espère vraiment que tu reviendras sur ta décision. Tu ne changes toujours pas d'avis? Très bien. C'est la manière forte alors. Je suis désolée, chérie. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu es surpris? Je sais que tu as toujours aimé que je te tienne les poignets au-dessus de la tête quand je jouais avec toi et que je te taquinais, mais tu n'as jamais résisté. Alors comment une fille comme moi peut-elle tenir tes poignets au-dessus de toi, les coincer contre le canapé, te maintenir au sol avec ses cuisses sans bouger, alors que tu es vraiment en train de te débattre? Ce n'est pas grave. Sors ça de ta tête, chérie. On en reparlera quand tu auras pris conscience de ta situation.
Est-ce que ça suffit? On a tout le temps qu'il faut, chérie. Il faut juste que ça sorte. Non, mon chéri. Tu restes là où tu es. Bon. On dirait que ta langue a beaucoup d'énergie, même si tes muscles n'en ont pas. Je vais t'aider à brûler les étapes. Regarde-moi, mon chéri. Mon petit chiot, tu sais comment les choses se sont passées il y a une minute. Tu ferais mieux de bien te tenir et de me regarder. Ah, d'accord. Malgré toute la défiance dont tu as fait preuve, elle s'évanouit lorsque je touche ton menton. Je n'ai même pas besoin de forcer et ton joli visage suit docilement. Maintenant, c'est l'heure de la gâterie. C'était délicieux. On dirait que tu peux encore faire un semblant de phrase. Là, bien trop occupée à halter pour protester ou se débattre, les yeux dans le vague, les bras mous, tu es sur le point de perdre l'esprit. Parfaitement vulnérable et adorable, tu vas me rendre folle. Non, je dois me contrôler. Je peux pas trop attiser mon pauvre chéri. Mes yeux? Chéri. Je comprends l'ambiance du monde, mais toi, flirter en ce moment, c'est... Oh, mes yeux. Je vois. Tu les aimes? Je suppose qu'ils sont mis en valeur dans cette pièce sombre. Et si tu regardais de plus près? As-tu peur? Tu n'as pas besoin d'avoir peur, je te l'assure. Sois gentil, écoute, mon chéri. Fais-moi un signe de tête si tu comprends. Bon garçon, tu aimes m'entendre t'appeler comme ça, n'est-ce pas? Maintenant, je veux me présenter. Je ne suis pas la fille dont tu te souviens, mon chéri. Si la force surprenante et les yeux brillants ne t'ont pas trahi. L'encens stupide, les rituels, les chants, les gribouillages. Tout cela a fini par porter ses fruits. J'ai été convoquée, sa plus grande surprise. Sa mâchoire est restée suspendue pendant au moins une minute. Elle n'a pas pu formuler une phrase pendant 2 minutes. C'est vrai, mon chéri. Je suis un démon. Une créature d'au-delà du voile. Ici en réponse à l'invitation que ton ex-petite amie a envoyée. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, mon chéri, comment peux-tu être aussi chaud? Après tout ce que je t'ai dit, tu te soucies de son bien-être? Je me demande si tu serais toujours aussi inquiet si je te disais ce qu'elle attendait de moi. Tu es intrigué? Je vais te le dire, mon chéri, je n'ai rien à te cacher. Elle n'était pas très contente de la façon dont tu as défié son autorité dans la relation et tu l'as laissée abasourdie. Elle a exigé de faire de ta vie un enfer. Ton travail, tes biens, ta famille, tout ce qui a un sens dans ta vie. Elle voulait que je manipule, détruise et pervertisse tout cela. Mais elle ne savait pas du tout ce qu'elle faisait. Pas de préparation, pas de mesures de sécurité, pas de sagesse pour ne pas tomber dans le trou du lapin. N'a pas fallu longtemps pour que j'aie son corps et son âme. Elle était méchante jusqu'à la moelle et j'en ai profité. Chérie,
Ça ne me dérange pas que tu cries à l'aide autant que tu veux, puisque personne ne peut t'entendre. Mais nous devons avoir cette discussion. Alors si tu ne t'arrêtes pas, je serai obligée d'attraper ce beau menton et de t'essouffler à nouveau. Tu veux bien obéir? D'accord? C'est bien. Quant à ton ex, j'ai pris son âme pour la transformer en un démon de moindre importance. Un de mes serviteurs, pour être précise. Après tout, comment pourrais-je la laisser dans le monde où vit mon chéri? Pourquoi t'appeler ainsi, si je ne suis pas elle? Ah, bien sûr. Tu n'es pas encore au courant. Quand je l'ai prise, j'ai pris ses souvenirs aussi, et je t'ai trouvée. Toi, mon chéri, quelqu'un de si attentionné, de si doux, de si prévenant, et sans parler d'être beau, mignon et soumis. Tout à fait mon genre. Il semble cependant qu'une forme mortelle ne puisse pas supporter mon être, d'où les yeux brillants. Je sens maintenant une autre partie de moi venir remodeler ce corps. Faudrait pas que cela te répugne. Alors ferme les yeux un instant, mon chéri. Mon garçon, tu peux les ouvrir maintenant. J'ai l'impression que ces cornes ajoutent quelque chose de spécial que tu ne trouverais pas ici. Qu'en penses-tu? Tu pourras les toucher plus tard si tu veux. Ça ne me dérangerait pas. Elles peuvent aussi servir de poignée d'amour pour toute activité intense. Quand tu auras été assez bon pour être au-dessus, bien sûr. Pour en revenir au sujet, je me suis retrouvée à te désirer, et te voilà. Le mien. Prends cela dans ton être le plus profond, mon petit chiot. Tu es à moi. Et je prendrai grand soin de toi. En commençant par ta joue. La peau a été abîmée quand elle t'a giflé, n'est-ce pas? Ici. Comme neuf. Il n'en reste pas la moindre trace. Maintenant, revenons à ses lèvres. Tu n'auras plus jamais à craindre la trahison. Tu ne manqueras jamais de rien. Je te contenterai et te satisferai. Tu ne souffriras plus jamais. Je m'en assurerai. Ce n'est pas un choix, mon petit chiot. C'est comme ça que les choses sont maintenant. Maintenant, ne t'oppose pas à moi, chérie. Et embrasse-moi. Bon garçon, ta poitrine est chaude? C'est bien. T'inquiète pas, ça passera. C'est ma marque. Tu as reconnu ta soumission à moi. Désormais, à tout moment, je sais où tu es. Je ne suis qu'à un pas. Et si tu rencontres des êtres d'un autre monde, ils sauront qu'ils doivent rester à l'écart. Pas besoin d'être si nerveux, mon chéri. C'est juste ma queue qui frôle ta cuisse. Oui, ma queue. Tiens, regarde. Elle est longue et fine, souple, mais solide. Elle pourrait facilement remplacer ma main qui enserre tes poignets. Tu vois? L'extrémité est plate, pointue et en forme de cœur. Tu as l'air hypnotisé. C'est si stupéfiant que ça. Veux-tu la sentir? Et si je la faisais courir le long de ta joue, le long de ton joli cou, puis remonter et passer sur ton menton et sur tes lèvres, ces lèvres délicieuses. Désolée, mon chéri. Je ne peux pas me contrôler sans au moins ça de temps en temps.
Je sais que nous venons de nous embrasser, mais l'envie était trop forte pour ne pas recommencer. Il n'y a plus besoin d'attache, n'est-ce pas? Je peux te lâcher les poignets? D'accord? C'est bien. Ça fait mal? Je me suis assurée de contrôler ma force. Bien. J'ai besoin que mon petit chou soit en bonne santé et heureux à partir de maintenant. Tu seras toujours en sécurité et dans le confort de mon étreinte. Tu n'as qu'à m'appeler. Et parfois, je sors pour te taquiner et jouer avec toi. Maintenant, que dirais-tu de célébrer le début de cette relation passionnante? Ce que j'ai en tête? Je me souviens de tout ce que tu aimes et n'aimes pas. Et surtout des choses qui te feraient grimper au rideau si elles n'étaient pas retenues. Je vais donc saisir cette laisse une fois de plus. Avec ma queue cette fois. Et tu vas me suivre dans la chambre à coucher. Bon garçon.